contentieux électoraux de la législative nationale du 20 décembre dernier, la Cour a déclaré 46 requêtes recevables et fondées sur 1123 affaires enrôlées, 525 requêtes déclarées irrécevables mais non fondées et 21 cas de désistement. Et puis, le président rwandais Paul Kagame a accepté de rencontrer le président Félix Tshisekedi afin de discuter de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. L'annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères en congolais. L'actualité sur Géopolis Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Spécialement ce soir, nous aurons un invité, il s'agit de M. Gaby Kouba, président de l'Union nationale de la presse du Congo. Mais d'abord, nous allons d'abord vous livrer l'actualité. J'ai annoncé en titre, la Cour constitutionnelle siégeant en matière des contentieux des résultats des élections spécialement de la législative a déclaré 46 requêtes recevables et fondées sur 1123 affaires enrôlées, 525 requêtes sont déclarées irrecevables contre 400 déclarées recevables mais non fondées et il y a 21 cas de désistement parmi les 49 élus qui vont désormais siéger à l'Assemblée nationale. Il y a notamment Willy Mishiki qui a remplacé Mukulumania Mubonge de AB50 à Walikale au Nord Kivu. Adel Kainda a récupéré son siège de Sandoa dans le Lualaba. Et puis, dans un communiqué publié ce lundi 11 mars 2024, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a annoncé l'incendie qui s'est déclaré en début de soirée du samedi dernier dans son entrepôt central à Matadi, dans la province du Congo central, dont les origines sont à déterminer. Le bilan officiel de cet incident fait état, selon la centrale électorale, de la défection de plusieurs dispositifs électroniques de vote et autres matériel. Édouard Fonda au commentaire. En attendant les enquêtes approfondies en vue de déterminer l'origine de cet incendie, plusieurs matériels, dont 476 dispositifs électroniques de vote, 4 groupes électrogènes de 2,5 kVA, de la révision du fichier électoral 2022, 96 panneaux solaires, ainsi que 261 bulletins de vote non utilisés ont été consommés. À cet effet, la centrale électorale a invité les autorités compétentes à diligenter une enquête pour déterminer les causes de cet incendie et, le cas échéant, sanctionner les auteurs matériels et intellectuels conformément à la loi. Il s'agit d'un troisième incendie enregistré par la CENI en pratiquement 6 mois. En septembre 2023, un incendie avait détruit plus de 900 dispositifs électroniques de vote dans l'entrepôt de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Fin novembre 2023, la CENI annonçait un nouvel incendie qui s'était déclaré à l'entrepôt de son antenne de Bolobo dans la province du Maïndombe. Le bilan officiel de cet incendie faisait état, selon la centrale électorale, de la destruction totale de 163 dispositifs électroniques de vote provenant du stock de 2018, 136 isoloirs, 39 kits de révision du fichier électoral de 2022-2023, 165 batteries internes de 2018, 5 mégaphones de sensibilisation, 122 urnes provenant du scrutin de 2018, 17 téléphones de marque Itel A18, RFE 2022-2023. Voilà, je voulais annoncer au début, nous avons un invité ce soir, il s'agit de M. Gaby Kouba, président de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame. Alors, nous allons parler des défis du profil et des défis à relever pour le prochain gouverneur de la ville de Kinshasa. Alors, M. Gaby Kouba, dites-nous, quel serait le profil idéal du prochain gouverneur de la ville de Kinshasa? Merci pour votre invitation, madame. Bon, je suis habitué à me prononcer sur les questions qui concernent la corporation, l'Union nationale de la presse du Congo, que je représente. Mais en tant que citoyen, et l'actualité l'oblige, vous avez préféré aujourd'hui zapper des questions qui concernent notre métier pour aborder des sujets politiques. Le profil, nous voulons un homme qui écoute les quinois. Et nous voulons un homme qui connaît les problèmes. Et un homme qui apporte aussi et surtout des solutions à nos problèmes. Les problèmes sont connus et il faudra apporter des réponses. Mais nous avons constaté que la ville a été dirigée pendant longtemps dans une sorte d'indolence.
d'inertie. Donc, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Regardez tout simplement l'insalubrité dans laquelle la ville est plongée aujourd'hui. Kinshasa, en tout cas, ne ressemble à aucune ville du monde. La ville devient irrespirable. Pourquoi ? Les décharges publiques inexistantes, non seulement la décharge publique, les décharges publiques, mais l'assainissement est quasi inexistant dans la ville. Donc, Kinshasa ne ressemble pas à une communauté humaine, mais Kinshasa ressemble plus à un parc animalier. Donc, le profil du gouverneur que nous voulons, c'est un gouverneur qui apporte des solutions à ces problèmes. Un, l'insalubrité. Deux, regardez les embouteillages à Kinshasa. Les gens disent, oui, on peut parler d'indiscipline, on peut parler du nombre croissant des véhicules, mais on oublie l'essentiel. Le plus grand problème, Kinshasa n'a pas une voirie. Les routes n'existent presque pas. Les quelques routes qui existent aujourd'hui sont impraticables. Et c'est ce qui justifie les embouteillages interminables chaque jour, matin, midi et soir. Quand vous vous réveillez à partir de votre maison pour rejoindre les centres-villes le matin, pour rentrer le soir, c'est tout un calvaire. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de route. Et il y a une sorte de polémique inutile, entretenue par le gouvernement provincial et le gouvernement central. On se rejette des responsabilités. Tantôt, le gouvernement central dit qu'il y a des routes d'intérêt national qui sont de sa compétence. Et tantôt, il y a aussi des routes à l'intérieur des provinces qui sont de la compétence du gouvernement central. Est-ce que nous, population, avons vraiment besoin d'une telle polémique? On a besoin des solutions. Okay. Que ce soit les routes d'intérêt national, où est-ce qu'il y a des routes? Toutes les provinces sont pratiquement déconnectées. Il y a même des provinces à l'intérieur des provinces pour quitter le territoire X vers le territoire Y, il faut prendre un avion. Mais les avions ne peuvent pas être utilisés à l'intérieur de nos provinces. Donc, c'est un vrai problème. Les défis sont énormes et les moyens existent. Vous n'avez qu'à voir les différents rapports. Okay. L'IGF, la Cour des comptes, comment on gère. Parce qu'on dit chaque jour, non, il n'y a pas assez de moyens pour construire des routes, pour l'assainissement. Mais regardez le nombre de détournements que l'on observe. Vous voyez tout simplement les nombres de véhicules, par exemple, les dépenses pour les responsables politiques. Mais c'est du gâchis, ça sert à quoi? Aujourd'hui, on vient encore augmenter en quelque sorte le nombre de prédateurs sur l'ensemble de la République. Il ne faut pas l'oublier. Vous avez un nouveau Parlement qu'il faut installer. Ça demande d'énormes moyens. Vous avez un gouvernement, un nouveau gouvernement qui sera peut-être éléphantesque, qu'il faudra installer, ça va nous demander également des moyens. Et nous venons d'ajouter des conseils municipaux et des conseils urbains qui vont nous demander également des moyens colossaux. Ce qui fait que l'essentiel des moyens mobilisés ne sert pas à répondre aux besoins du pays et de nos villes, mais ça sert plutôt à nourrir les chefs des institutions. Cela ne résout aucun problème. Il faudra, à mon humble avis, et je sais, il y a des gens qui sont peut-être hostiles ou ultra sensibles à la question de la révision constitutionnelle. Moi, je l'ai toujours dit qu'il faut réviser la Constitution. Parce qu'il faut trouver une base légale. Aujourd'hui, le président de la République ou le premier ministre ne peut pas prendre une ordonnance. Le premier ministre aujourd'hui ne peut pas prendre un décret pour suspendre une institution. Il n'a pas cette compétence-là. Ça passe par la révision constitutionnelle. Il y a plusieurs raisons. Pour éviter les conflits de compétences. Deuxième raison, qui est la raison, par exemple, que je trouve assez fondée, compresser les dépenses de l'État. Okay. Le Sénat, cette institution sert à quoi? Les gouvernements provinciaux ne servent à rien. Les assemblées provinciales ne servent à rien. Parce que s'il faut parler du contrôle, mais à l'époque où on avait un parlement avec une seule chambre, on exerçait les contrôles à partir des municipalités jusqu'au niveau du gouvernement central. Quelle est la nécessité aujourd'hui d'avoir toutes ces institutions pléthoriques avec un personnel politique pléthorique qui absorbe pratiquement l'essentiel
des recettes captées par l'État. Ça ne sert pratiquement à rien. Donc il faut réviser la Constitution. C'est vrai que les gens voient peut-être que les mandats, ainsi de suite. Mais je sais, par exemple, le président de la République, l'actuel Tshisekedi, par exemple, il tient à la révision constitutionnelle parmi ses raisons. Il y a, par exemple, la raison de la restauration du deuxième mandat. Au départ, lorsque le régime de Kabila avait modifié la Constitution en 2010 pour passer de deux mandats à un seul mandat, moi, j'étais opposé. Aujourd'hui, je lui donne raison et je suis contre peut-être que la proposition du président de la République qui tient, je comprends. Je le comprends. Pourquoi ? Parce qu'il veut plus de représentativité et de légitimité pour le président élu avec deux tours. Mais pour épargner la République de certaines dépenses, je crois qu'un président élu avec une élection, à l'issue d'une élection à deux tours, où elle n'est pas plus légitime qu'un président élu avec une élection à un seul tour. Et pourquoi je m'oppose, par exemple, à cette disposition, au retour? C'est pour éviter également la prolifération des nombres des maîtres et chanteurs. C'est là que je suis en désaccord peut-être avec le président de la République. Les maîtres et chanteurs qui vous disent, bon, on postule, et puis parce qu'il y a un premier tour, et puis le deuxième tour, il vous fait du chantage pour vous dire... Des partis politiques en réalité avec des coquilles vides. Regardez ce qu'ils font par exemple dans les assemblées avec les plateformes. Voilà pourquoi. Mais alors, je reviens à votre question parce que vous me posez la question. L'insalubrité, les inondations que nous connaissons aujourd'hui. Ah oui, les changements climatiques, peut-être que c'est une évidence, on ne peut pas les nier, les scientifiques l'ont démontré. Mais à Kinshasa, tout est prévisible. Donc, toutes les rivières ne sont pas curées. Tous les caniveaux et les égouts sont bouchés. Pourquoi? Parce qu'il n'existe aucune politique d'assainissement. Et même si elle existe, jamais appliquée. Alors, mais ne soyez pas surpris qu'à chaque pluie, qu'il y ait des inondations. Donc, nous voulons un gouverneur d'abord qui va remettre un peu de dignité. Mais il y a aussi de l'indiscipline. Parlons du phénomène Kuluna. Mais en quoi un Kinoa est-il aujourd'hui différent d'un Congolais qui vit dans des zones à conflits armés? Parce que les Kuluna prennent pratiquement des quartiers en otage. Allez, par exemple, à Mokali. Il y a des quartiers où les Kuluna commencent à percevoir même des taxes. Pour dire voilà, pour passer de telle heure à telle heure, il faut donner au chef des bandes, au chef des gangs autant d'argent. Quand vous avez votre téléphone, vous cherchez par où passer pour arriver à la maison. Donc, la ville devient invivable. Okay. Et tout se passe au vu et au su de ceux qui nous gouvernent. Mais on peut se poser la question, même ces Kulunas-là, regardez pendant la campagne électorale, qui anime des cellules politiques de tous ces dirigeants que nous avons? Ce sont ces Kulunas. Quand on les entretient par les mêmes personnes. Donc, on ne peut pas s'accommoder à ce style de vie qui nous rapproche, en tout cas, des animaux. Kinshasa est devenu pratiquement un parc animalier. Et ce n'est pas une communauté humaine. Il ne faut même pas l'appeler une ville. Parce que moi, j'ai quand même un peu circulé. Non, je ne suis pas un extrémiste. Okay. Mais, comme l'a dit un adage de chez moi, celui qui n'a jamais vu un éléphant croit que la vache, c'est l'animal le plus costaud du monde. Quand vous n'avez pas vu une ville propre, vous avez l'impression que vous vivez dans une ville à Kinshasa. Mais en réalité, il y a même des cantons qui sont mieux. Vous arrivez, par exemple, dans certains pays, on vous dit ici, on est dans un quartier périphérique. C'est mieux que notre Gombe. Il n'existe aucun quartier huppé à Kinshasa. S'il faut comparer Kinshasa avec d'autres villes, des vraies villes au sens propre du terme, des villes urbanisées, des constructions anarchiques, l'indiscipline dans la conduite. Regardez par exemple le nombre de motards qu'on a en Kinshasa. Qui les contrôle? Vous avez relevé des nombreux problèmes ici. Vous avez parlé de l'insalubrité, la sécurité. Mais concrètement, qu'est-ce que l'on devrait faire pour pouvoir éradiquer tous ces problèmes? Il faut la restauration de l'autorité de l'État. Là où vous vivez, que le bourgmestre ait des vrais pouvoir. S'il y a un trou, par exemple, dans votre quartier, est-ce qu'il faut qu'on fasse appel au gouvernement central? Le bourgmestre peut travailler là-dessus, mais il a quel moyen? Regardez une ville comme Kinshasa. Vous avez 24 communes, une mégalopole de plus de 10 millions d'habitants. Vous n'avez même pas 5 véhicules anti-incendie. Quand bien même qu'ils peuvent exister, il n'y a pas d'eau. Et la preuve est qu'il y a quelques années, les sièges de la police anti-incendie a connu un incendie. Okay. Est-ce que vous trouvez normal dans une ville comme Kinshasa qu'on n'ait pas de véhicule anti-incendie dans chaque commune? Ça coûte quoi? Combien coûte un véhicule anti-incendie?
Les solutions sont là. Les taxes, par exemple, qui sont perçues. Les gens ne le savent pas. Je suis allé avec une proposition à la DGI, que j'avais proposé à la DGI pour les plaques d'immatriculation des motos. J'ai dit, c'est une activité économique. Comment des milliers de motos peuvent circuler à Kinshasa sans plaque d'immatriculation? Et la DGI a soumis les problèmes au gouvernement provincial de Kinshasa, au gouverneur de la ville de Kinshasa, pour dire, voilà, ce n'est pas de notre ressort. Cela est de votre compétence. On a mobilisé. Est-ce que vous savez combien on a mobilisé? L'impôt foncier. Donc il y a des solutions, voilà. Mais l'impôt foncier. Mais l'impôt foncier, oui, l'impôt foncier ou l'impôt locatif ne peut pas être seulement l'affaire de ceux qui habitent Gombe. Il y a des citoyens congolais, il y a des belles maisons à Mokali dans tous les quartiers de Kinshasa. Pourquoi ne pas aller recouvrir cette... Voilà, l'une des solutions passe par là. Les parkings. Les gens que vous voyez dans tous les parkings de Kinshasa, matin, midi, soir, en train de crier, 500, tout ça, pourquoi ne pas canaliser cela? Ça ne peut pas être une activité gratuite. Oui. Les marchés, par exemple, les marchés municipaux, comment on gère tous ces marchés? Il faut canaliser des recettes. Les revenus existent, il faut les créer, et il faut savoir les canaliser, il faut les mobiliser. Et là où vous avez, par exemple, des insuffisants, là où les moyens ne vous permettent pas de les faire, vous pouvez faire appel aux autres structures de financement pour vous appuyer, pour appuyer la politique du gouvernement. Les transports, les secteurs du transport en commun, vous avez assisté ici à la création des sociétés qui n'ont pas fait de long feu. Comment les gens se déplacent? Tout ça, mais ça demande de moi. Si vous mettez, par exemple, des bus à la disposition, à 7h, par exemple, si vous sortez de votre rédaction ici, on vous dira, bon, pour arriver, par exemple, dans votre maison de tel coin, le prix n'est même pas connu. Alors que la grille tarifaire de l'hôtel de ville existe. Des amendes transactionnelles. C'est vrai qu'il y a des compétences partagées, par exemple, la police, qui n'est pas de la compétence du gouvernement provincial, mais qui dépend du gouvernement central. Mais même le gouvernement central lui-même, aussi, les amendes transactionnelles, quand vous circulez à votre véhicule, regardez tout ce qui se passe avec les policiers de la circulation routière. On vous dit, mettez votre véhicule à côté. Vous négociez avec lui, vous payez dans quelle banque? Hein? Voilà, quelle est la quittance qu'on vous délivre, voilà, quand vous commettez une contravention routière? Kouba, nous devons tout ça, ce sont des sources de revenus. Oui. On va chuter très rapidement. Alors, votre dernier mot? Le dernier mot, je le lance aux députés provinciaux en ce qui concerne l'élection des gouverneurs. Vous avez obtenu des voix des électeurs gratuitement. Gratuitement, on ne vous a rien exigé. Nous vous avons voté gratuitement. Okay. Parce que vous prétendez nous représenter dans les assemblées provinciales. Et c'est vous qui votez les gouverneurs et les sénateurs. Les élections au système indirect. Donnez aussi gratuitement vos voix à celui qui a les bons profils. C'est lui qui peut bien diriger la ville de Kinshasa. C'est ce qu'on peut vous demander. Bon, vous bénéficiez de la présomption de crédibilité de notre part. Mais faites preuve de cette crédibilité le jour du vote. Nous ne voudrions plus entendre ce qui s'est passé autrefois où tel candidat est allé réclamer ce qu'il aurait donné à tel ou tel député. C'est vrai que dans une telle opération, ça ressemble un peu au trafic des drogues, où il n'y a pas de facture. Hein? Quand on vend la drogue, il n'y a pas de facture pro forma, il n'y a aucune trace. C'est un peu ça la corruption. Mais on a dénoncé cette corruption-là et on connaît les comportements. D'accord. Vous invite un peu parce que tout ce qui nous affecte aujourd'hui vous affecte. Il y a même des députés provinciaux qui étaient comme nous. Hier, vous étiez avec nous. Vous avez habité le même quartier que nous. Vous connaissez les mêmes problèmes. Pourquoi vous ne pouvez pas faire un choix rationnel pour apporter des réponses aux problèmes que nous avons dans tous nos quartiers? Un choix rationnel. Merci, M. Gabi Kouba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, on va poursuivre avec l'actualité. Deux semaines après la visite de Félix Tshisekedi à Luanda, en Angola, Paul Kagame vient d'être reçu à son tour par João Lourenço. Au cours de son entretien, le président rwandais a accepté de rencontrer le président congolais afin de discuter de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Annonce faite par le ministre angolais des Affaires étrangères, Tété Antonio, à l'issue de sa rencontre avec le président angolais, Jojo Moulamba. C'est pour discuter de la crise diplomatique entre la RDC et le Rwanda que Paul Kagame a accepté de rencontrer Félix Tshisekedi. Selon le ministre angolais des Affaires étrangères, Tété Antonio, qui a annoncé cette nouvelle, la date pour cette rencontre sera indiquée par le médiateur, le président angolais João Lourenço.
Cette nouvelle étape vers une rencontre Tshisekedi Kagame est importante car l'objectif est de trouver une solution durable à cette crise qui dure. D'après l'Organisation des Nations Unies, les violences dans l'est de la RDC ont déjà contraint plus de 100 000 personnes supplémentaires à fuir, ce qui porte à plus de 7 millions le nombre de déplacés dans le pays. Toutefois, pour rencontrer Kagame, Tshisekedi a exigé le retrait de l'armée rwandaise du territoire congolais, la cessation des hostilités au front et le cantonnement de la rébellion du M23. Alors que le Rwanda nie apporter un soutien militaire au M23 qui a repris les armes depuis 2021 et occupe désormais de larges zones du Nord Kivu. Les FRDC et la MONUSCO doivent conjuguer les efforts pour stabiliser la province de l'Ituri. Voilà ce qu'a déclaré le représentant adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, le général Modi Bereté, après son échange avec le gouverneur militaire de cette province, le lieutenant-général Johnny Lubuya. Ce dernier a également souligné l'engagement de son administration à mettre hors état de nuire les hors-la-loi qui terrorisent la population. Suivez ce reportage de la presse militaire de l'Ituri. La solution à la crise sécuritaire qui secoue l'Ituri passe par plusieurs options. C'est au-delà de l'option militaire et non militaire. Pour y arriver, les efforts doivent être conjugués entre la MONUSCO et le gouvernement pour stabiliser cette province. Déclaration du représentant spécial adjoint intérimaire en charge de la protection et des opérations du secrétaire général des Nations Unies. En RDC, le général Modi Bereté, après un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Donc ce que nous pouvons faire de mieux, c'est de continuer à appuyer les initiatives prises au niveau local, mais aussi au niveau national, premièrement, pour que les communautés puissent être engagées dans les formes de discussion et de dialogue, pour qu'un cadre puisse naître où les gens se parlent, les gens se communiquent et les gens commencent à s'accepter. Et deuxièmement, le gouvernement a fait le choix, un certain nombre de choix, effectivement, pour certains cas, d'engager militairement des opérations. Donc nous allons continuer à supporter ces opérations militaires avec la collaboration qui est faite non seulement à la PNC mais à la FRDC. Pour sa part, le lieutenant-général Boyanka Chomadjouni a réaffirmé l'engagement de l'administration militaire de l'Ituri de mettre fin à ces cycles de violence et traduire en justice les auteurs de ces crimes. En même temps que nous allons encore renforcer le personnel là-bas, nous avons commencé les opérations aujourd'hui, nous allons renforcer davantage le personnel là-bas et nous avons aussi acheté le matériel qui a été cassé ou perdu. Nous sommes en train de tout documenter, tout alors que nous sommes en opération. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de maîtriser ces hommes qui ont commis tous ces dégâts-là. Maintenant, là que nous sommes en train de parler. Signalons que, grâce à la bonne collaboration qui existe entre le FRDC et la MONUSCO à travers le centre de coordination des opérations, le dégât a été limité dernièrement lors de l'attaque de l'hôpital de Drodro par des miliciens identifiés à la Côte d'Écou. L'hôpital de Drodro sera appuyé par l'administration militaire dans quelques matins après qu'il soit récemment vandalisé par les miliciens Côte d'Écou. Aujourd'hui, une accalmie s'observe dans la région suite au déploiement des éléments de l'ordre avec les opérations militaires en cours. Rappelons que s'attaquer aux hôpitaux, écoles, constitue un crime de guerre et crime contre l'humanité. Revenons à Kinshasa, où depuis 1986, l'érosion Matondo menace les habitants du quartier Kingu dans la commune de Selembao. Ces derniers déplorent les silences des autorités urbaines de la ville et lancent un cri d'alarme pour qu'une solution soit trouvée d'urgence afin de stopper l'érosion Matondo qui, depuis 38 ans, a emporté plusieurs maisons et endeuillé bon nombre des familles. Rachel Missinga et Giscard Tamba pour ce reportage. Il y a environ 38 ans déjà, depuis que cette érosion menace les habitants du quartier Kingu dans la commune de Selembao. Matondo, c'est son nom, attribué par la population de ces coins de la capitale. Matondo a déjà emporté à ce jour plusieurs maisons et endeuillé bon nombre de familles. Et les habitants de Kingu déplorent l'absence des autorités de Kinshasa sur terrain pour s'imprégner de la situation. Conséquence, difficulté pour les habitants d'atteindre les grandes artères et vaquer à leurs occupations. Ces derniers craignent la disparition de cette partie de la carte géographique de Kinshasa avec cette saison pluvieuse en cours. Quand c'est depuis 1986, de Lobambula, Boni et se passer,
et badeganine esengela ki ko sale mati lelo oyo tant tozolo ba awa tozana kati ya ya zone sinistrée tozaba sinistrée quand c'était que ba sinistrée zakaka bandeko o bazana goma tout ça non bisupe awa tozaba sinistrée parce que érosion oyo et engloutir ba parcelle ebele ba tobatikali sans bandako tout ça eh ba toba kufi ti lelo vraiment totikali lokola bana etike comme si ba kunzi ba ebite ke tozana population sous côté oyo donc ça ne fait pas longtemps tout ta ki ko sa la démarche récemment na assemblée nationale ba promettre biso mais jusqu'à présent rien ne se fait encore. Tokumola tina bangar ndaku na ngamo kwa ngari kutu suku botali yango mwa ezalite donc ni ba mege chef du quartier aleke la kate ba ministre ba mona kate alors eska akanga kuna mwaye kutu ya komona wa ezala kate mai soke tondi na station kuna ali umona buki wana na RTL ali na nani na Africel mai yokomona ikoti boy. Donc, attends à l'est, pas ces ali. Tu es bien que tu me zali, mais bisopé na qui ça ça, pas ces ali. Tozo nyokwama. Na modèle le penda nani akoko linga boy. Pendant que tozali andenga na la lakawa, okomona ndako esalaka ke na butu. Moko mususu okomona boyoka ka sanguke. Maman oya lubaka na nani oyo akeyi. Abandonnés à leur triste sort, les habitants des Kingu appellent les autorités urbaines à la réhabilitation de leur quartier afin de mettre fin à leur peine. La capitale fait face à un problème majeur depuis des années. Il s'agit de l'état de délabrement des routes parmi les artères. Les plus touchées se trouvent l'avenue Nguma, longue de 5 km qui s'étend de la place de Kitambo Magasin jusqu'à l'entrée du quartier Mbinza Meteo dans la commune de Ngalima. Suivez ce reportage. Cette avenue laissée à l'abandon était parsemée de nids de poules et les canalisations d'eau de pluie également délabrées, ce qui entraînait d'interminables embouteillages. Malgré le fait que des personnalités influentes ayant auparavant occupé des postes de pouvoir emprunté cette route, aucune action n'avait été entreprise pour remédier à cette situation. Cependant, depuis la prise de fonction de Gérard Moulumba en tant que gouverneur intérimaire, il a décidé de prendre les problèmes à bras le corps. Sous la supervision des ingénieurs de l'entreprise Aran Sefou, ces travaux consistent à réparer partiellement la chaussée et les caniveaux endommagés. En plus de la réparation des caniveaux existants, une nouvelle canalisation sera construite pour gérer les fortes précipitations jusqu'à la rivière Mapenza, à hauteur de l'entrée du quartier Montfleury. Certaines parties de l'avenue nécessiteront des réparations complètes tandis que d'autres seront réparées partiellement. Cette approche vise à garantir que l'ensemble de l'avenue Nguma retrouve un état satisfaisant et facilite la circulation dans cette partie de la capitale. La réhabilitation de l'avenue Nguma est un premier pas en portant vers l'amélioration des infrastructures routières à Kinshasa. La population se réjouit de voir enfin des actions concrètes entreprises pour remédier à ces problèmes qui ont longtemps entravé le développement de la ville. Suivez les uns les autres au micro de Francine Kiba et de Giscard Tamba. Ça bien très important. Au moment qu'à partir de là, ce bas au moi, moins bambouteillage à la peinture aux alatés. Dernier chef de l'État soit qui idée à rebondir ça. Il y a au sala banzela partout. Tout le monde que bambouteillage est redimné, puis ma camoufle aux alatés bien. Babylo repasse à la moka à te mettre dans la province. Pour Babylo, que ça la place, nous sommes la province, Babylo, que ça l'est. Mais moi, et bima, on a dit ça, c'est ça. Pour banzela, à te. Bon, tout c'est peu libre. Et Zala qui m'a bien et qui m'a bien. Mais malgré tout ça, malgré ce qu'on a vu, il n'y a pas de semaine. Et même les gens ont embouteillé, j'ai créé des ordres. Les gens ont mis ça en retard. Suite à Nzelu, il y a Moussa Moukie, il y a Moussa Moukie, il y a Bendingo Moulaï. Et tout ce qui est Nzela, il y a Bongisa. Mais il y a ma belle qui est en train de se faire. Tant que Nzelu est en train de se faire, il y a un peu de temps. Tant qu'il est belé.
Parlons sport dans ce journal. Le tout-puissant Mazembe connaît son adversaire pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF. Les corbeaux louchois vont se mesurer à Petro Atlético de Luanda à l'issue du tirage au sort de ce mardi 12 mars au Caire en Égypte. Blaise Kouzola. Toujours très attendu, le tirage au sort de quart de finale de la Ligue des champions de la CAF édition 2023-2024 a tenu toutes ses promesses. Pour démarrer, le TP Mazembe recevra Petro Atlético de Luanda. Les affiches tirées sont ainsi nombreuses et de qualité, à commencer par les trois scintillantes confrontations qui mettront aux prises l'ogre égyptien Al Ahly à Simba SC de la Tanzanie, Asec Mimosa à l'Espérance de Tunis, mais également le Young African au redoutable Mamelodi Sundowns. Quintuple champion d'Afrique, le TP Mazembe croisera le fer avec la talentueuse formation angolaise Petro Atlético dans un choc africain qui promet des étincelles. Mazembe qui va recevoir l'équipe de Petro Atlético de Luanda en premier lieu et le match retour se jouera en terre angolaise. Toujours dans le même chapitre, la RDC débute bien les 13e Jeux africains qui se jouent actuellement à Accra, capitale ghanéenne. Les athlètes congolais ont déjà remporté 4 médailles en lutte africaine dans plusieurs catégories. Toujours avec Blaise Kouzola. La journée du lundi 11 mars a été encore plus prolifique pour la République démocratique du Congo avec ses 3 autres médailles raflées toujours en lutte libre chez les messieurs au cours des 13e Jeux africains en cours présentement à Accra au Ghana. Les 3 médailles sont en bronze remportées par Rabi Kilandi Kilunga qui a battu 5-0 le Marocain Ben Hachem Tariq blessé obligé d'abandonner chez les 57 kilos, suivi d'Andy Kabea dans la catégorie des 75 kilos battant ainsi le Nigeria Braveman Oyekeperemo 8-5 et chez les 95 kilos, Aaron Mbo Mabouba n'a pas eu pitié du Béninois Abdel Assad Ba Limam 8-0. Pour rappel, l'éditeur congolais Aaron Mbo et Andy Kabea furent médaillés d'or lors du dernier 9e jeu de la francophonie. Sa performance ne surprend pratiquement pas. La RDC, via la performance de ses léopards, lutte ces jours, totalise déjà 4 médailles de bronze, y compris celle glanée par Rosie Tabora Kabeya dimanche dernier. Place à présent à la page internationale. Le Tchad et la Centrafrique raffermissent leur coopération en matière de gestion des finances publiques dans le cadre de l'intégration économique communautaire. Les ministres de finances des deux pays ont formalisé l'harmonisation de leur système de gestion des finances pour répondre aux obligations de règles de convergence économique et financière de la CEMAC. Ces décisions, selon les experts, vont faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays et va redynamiser les collectes de revenus du trésor au trésor de ces deux États. Le Tchad et la RCA renforcent leur coopération économique et financière en vue de faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Les ministères en charge des finances des deux États ont formalisé l'implantation d'un système commun de gestion des finances ce lundi 11 mars 2024. Cette procédure intervient après la signature en janvier 2024 d'un mémorandum d'entente entre le Tchad et la RCA pour l'échange d'expériences, d'expertise et de compétences. Il a été question que nous puissions nous déterminer et pour formaliser davantage et rendre cela plus durable et plus pérenne. Nous avons deux ministères qui, sur beaucoup d'aspects, travaillent sur des textes qui sont similaires, que ce soit les directives CEMA, que ce soit les règles en matière de comptabilité, de finances publiques. Nous sommes tous les deux soumis aux mêmes obligations en termes de règles de convergence multilatérale dans le cadre de la CEMAC. Le Tchad et la RCA sont tous deux des membres de la CEMAC et sont soumis aux mêmes obligations, des règles des convergences économiques et financières de la sous-région d'Afrique centrale, les partages d'informations financières, l'application des règles communes en matière de gestion des finances et l'utilisation d'un même système intégré de gestion permettant aux deux pays de renforcer leur coopération dans le cadre de l'intégration économique communautaire. Et quand nous parlons de digitalisation, évidemment que les administrations financières sont au cœur
des dispositifs de digitalisation, puisqu'il s'agit de pouvoir changer notre manière de travailler, améliorer nos procédures et nos processus afin de pouvoir améliorer la collecte des revenus, améliorer et optimiser les dépenses publiques, évidemment dans l'orientation qui est le bien-être de nos populations respectives. Les deux pays comptent aussi harmoniser progressivement leur système de dématérialisation des procédures douanières pour faciliter les transferts transfrontaliers des marchandises. Une initiative encouragée par les opérateurs économiques et les transitaires centrafricains et tchadiens qui estiment que cette décision renforce l'intégration intercommunautaire dans le domaine de commerce. Ce journal touche à sa fin, mesdames et messieurs, mais d'abord les rappels des titres. Contentieux électoraux de la législative nationale du 20 décembre dernier, la Cour a déclaré 46 requêtes recevables et fondées sur 1123 affaires enrôlées. 525 requêtes sont déclarées irrecevables contre 400 déclarées recevables mais non fondées. Il y a eu 21 cas de désistement. Et puis, le président rwandais Paul Kagame a accepté de rencontrer le président Félix Tshisekedi afin de discuter de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, annonce faite par le ministre des Affaires étrangères en Congolais. La fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse. Au sommaire, de tabloïds parus dans la ville de Kinshasa, c'est vendredi 8 mars 2024, Forum des As-Titres, pas d'accord entre le gouvernement de la RDC et la Russie. Dans une mise au point selon le tabloïd publié par le ministère de la Communication et Médias dont une copie est parvenue hier jeudi dans la soirée à Forum des As, le gouvernement a fait savoir qu'aucun accord de coopération militaire n'a été signé récemment entre la Russie et la RDC. Le gouvernement de la RDC a pris connaissance de l'approbation le 5 mars 2024 du principe d'un projet d'accord de coopération militaire avec la Russie, peut-on lire.